Vidéo, donc c'est une vidéo pour vous présenter la Ijack Weston, donc qui est sortie mardi. Donc je vous fais la vidéo un petit peu tard, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Après, c'est passé de vous la présenter. Donc elle est vraiment belle, je trouve, pour ma part. Donc elle est sur le Legendary Motorsport pour le prix de 430 000 dollars. Donc désolé si mon micro fait des petits bruits bizarres. Enfin voilà, j'espère que ça fera pas beaucoup pendant la vidéo. Donc, ouais, donc là, je vais la tester juste le temps de me rendre. Donc Los Santos Custom, dont je montre un petit peu son design de devant quand elle roule avec les phares. Enfin voilà, je vous montre aussi la première personne pour que vous puissiez voir donc, à quoi elle ressemble. Donc, je trouve qu'elle est vraiment belle. Hein. Donc après n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Hop là, donc là on rentre, donc c'est une sportive. Donc voilà, ouais. Donc elle ressemble un petit peu à la Bustamante sportive. Enfin en plus, en plus belle. Blindage, je mets frein en max, pare-choc, donc pare-choc avant, donc là je vais mettre le tout dernier parce que je le trouvais vraiment beau. Donc après c'est chacun son délire, hein. Voilà, donc je monte un petit peu tout, je les repasse doucement pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Il ressemble, excusez-moi. Pare-choc aéré, donc le tout dernier. Hop là. Donc celui-là il me plaisait pas mal, celui par shop tuning, mais je préférais quand même l'autre. Trop beau, donc voilà. Ensuite moteur, donc moteur max. Hein. Hop là, échappement. Échappement titane x2. Là je trouve qu'il était vraiment stylé. Donc ensuite niveau capot, je vais mettre le capot aération basse à 9 120 $. Donc et bon, c'est. C'est stylé, on peut le dire. Éclairage, donc au phare Xenon. Peinture, donc là je vais regarder un petit peu toutes les peintures qu'on peut mettre dessus qui va bien avec. Donc moi je vais la mettre en rouge, en rouge Formule 1 si je me trompe pas. Donc en noir elle est pas mal aussi, hein. Donc ouais, donc là je vais mettre en rouge Formula, donc c'est ce qu'on va appeler. Je trouve que le devant il ressemble un peu à la NTT, je sais pas, ça fait je sais pas, ça fait bizarre. Enfin après c'est juste un avis, hein. Enfin voilà, donc je regarde un peu toutes les couleurs s'il y en avait d'autres qui allaient avec, mais pour moi le Formula, donc il allait pas mal avec. Hop là, donc ensuite on va mettre les anneaux de sécurité, donc je vais regarder la couleur principale numéro 2, hein. Enfin voilà, c'est pas non plus le plus important. Là, vous pouvez voir un petit peu, j'ai regardé avec le blanc si ça allait bien, mais je mets pas trop, donc, donc je suis parti sur un mauve nocturne, c'est plutôt pas mal. Voilà, et après par la suite je vais changer parce que je vais mettre des arceaux. Bah là justement je mets les arceaux et je vais mettre les arceaux de rue, et en fait comme la couleur secondaire va avec les arceaux, bah je mets pas du tout. Donc du coup bah je vais hors vidéo, je vais la mettre, je l'ai mis en rouge comme la voiture et je trouve que ça rendait mieux. Donc voilà, donc je regarde un peu toutes les arceaux parce que c'était assez dur de les choisir. Voilà, j'ai pris l'arceau de retour, je vais bas de caisse, donc là j'ai mis le tout dernier, hein, ventilé custom, séparateur, donc séparateur angulaire carbone. Enfin, donc moi je mets tout au max, hein, sur la voiture full custom. Donc voilà, donc franchement elle est vraiment vraiment belle, hein. J'aime bien ce qu'il y avait plein que j'entendais qui disaient qu'elle était pas super et tout ça, mais si ça va. Donc en fait comme ça là, quand je fais les commentaires en off, c'est vrai que les arceaux de sécurité comme ça fait un peu dégueulasse. Enfin bref, fumée rouge, hop là. Donc ouais, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et je vous laisse sur ces images.